Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bon, mais je sais pas trop s'il y a quelqu'un sur le chat, mais on va voir. C'est parti pour cette longue soirée sur le jeu, enfin sur le jeu, sur plusieurs jeux. Et on va commencer cette longue soirée qui va durer environ jusqu'à minuit sur le jeu Hearthstone. Alors, pourquoi j'ai des drops? Alors, il est fort possible que ça rame un peu. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que normalement ça tient. Ah si, je sais pourquoi. Évidemment, j'ai dit à ma famille de pas tirer sur internet ce soir. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ils tirent sur internet. Bon. Pourquoi il y a des choses qui changent pas? C'est pas grave. Bon, allez, on va démarrer cette première partie de soirée sur Hearthstone, je pense. C'est plutôt pas mal comme début de soirée, un peu posé. Du coup, bah ouais, allez, on est parti. Alors par contre, je préviens, s'il y a quelqu'un qui passe sur le chat et qui me voit jouer, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il est nul? Oui, parce que je suis pas très bon à Hearthstone. Même si ça m'éclate d'y jouer, je suis pas très très bon. Alors, du coup, bah on va essayer. On va faire un petit démarrage en non classé quand même. On va faire un petit démarrage en non classé. En fait, c'est surtout pour tester ma connexion internet avec du live, parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais pas du tout, peut-être que ça va carrément planter. J'en sais fiche très rien. Pour l'instant, j'ai beaucoup de drops. Ce qui est un peu embêtant. Rexxar contre Jaina! Vous l'avez cherché. Je la traque. Alors, c'est parti. Donc, un mage en face. Un mage, sachant que j'ai évidemment des cartes qui ne servent à rien. Allez, on enlève ça. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ça arrête de faire des yo-yo, mon internet. Pourtant, j'ai réglé de façon à ce que ça fasse pas de yo-yo. Il faut croire que ça aime bien faire des yo-yo. Alors, on commence. On va commencer par une charge toute bête. Allez. Bonjour. Oui, c'est vrai, la Bien politesse. le bonjour. La politesse. Alors, je suis évidemment pas très bon, donc soyez indulgents. Même si pour l'instant j'ai très très rarement perdu avec mon chasseur. Alors que sur les autres. Non, pas serpent le poulet. Alors que sur les autres classes, j'arrête pas de perdre. Enfin. Alors. Ah, provoque. J'aime pas la provoque. Elle va m'envoyer une boule de feu. Ah d'accord, donc ça fait partie du deck Gnomes and Goblins. Sauf que évidemment je n'y ai pas touché à cette extension encore. Je n'ai pas encore touché. Poulet. Poulet, poulet, piou, piou, piou. Quick Gaming qui dit salut, juste pour te dire, je vais pas, sûrement pas pouvoir jouer avant 22h, 22h30. Bon bah t'inquiète pas, hein, parce que là pour l'instant on n'est pas parti pour jouer, je fais ça doucement. Enfin, on n'est pas parti pour jouer. Zut, j'aurais dû faire ça d'abord. Je suis un idiot, mais absolu. On n'est pas parti pour jouer, en tout cas pas encore. Pas encore en multijoueur, donc non, pour l'instant, t'inquiète pas, tu peux vaquer à tes occupations. Pour l'instant, on n'est pas en train de faire du multijoueur avec les abonnés. Enfin, avec les viewers, tout ça. Non, ça c'était pas sympa de buter mon poulet quand même. Voilà. Alors, j'ai jamais joué contre les decks avec des trucs Gnomes and Goblins. Du coup, ça va me, je pense, bien me perturber. Ça va, je vais vraiment bien me perturber. C'est pas grave, on est là pour s'amuser. Il va sûrement me virer mon loup. Alors, ça y est, ça s'est stabilisé l'internet. C'est plutôt cool. Quick Game, Quick qui dit, je sais, mais je tiens à te le dire. Ouh, mais t'inquiète pas, tu sais. C'est Free Entrance.
On peut venir, on peut regarder, on peut rien dire, c'est... C'est à la sauce de... Tout le monde. Ça par contre c'est pas sympa. C'est genre pas sympa du tout. Les chiens sont de sang. Voilà, mets-toi une provoque, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Rebistage, si j'ai envie. Un compagnon animal, c'est pas mal. Compagnon animal, c'est pas mal. Ça, on est bien. Ça, on est bien. Bon, par contre, c'est vraiment le souffle-neige qui m'embête. Il faudrait que je l'élimine assez vite. Ah non, ça c'est pas sympa. C'est vraiment pas sympa. Alors là j'ai quelques drops. Quick qui dit MDR, tu te fais mener pour l'instant. Ça va être la première fois depuis très longtemps que je perds avec mon chasseur. C'est quand même la loose. Enfin si j'ai perdu il y a même pas une... Si, il y a un peu plus d'une heure, mais je jouais contre l'ordinateur, donc... je jouais sur Naxxramas. Dans le donjon, bon. Alors là, c'est la grande question, c'est qu'est-ce que je fais? Soit je joue ça... On va jouer ça, on va jouer ça aussi. Qu'est-ce qui nous sort? Une autre provoque, c'est pas mal. Parce que du coup... On va servir de ça. Je me fais mener, mais il y a encore plein de choses qui peuvent arriver, donc pour l'instant ça va. Ouh, ça m'énerve cet internet qui fait des yo-yo. Non, ça c'était pas gentil. Ah, les cartes secrètes, je les aime pas ces cartes-là. Quoi qu'il dit, t'as pas perdu encore. Non, j'ai pas encore perdu, ça qui est bien. J'ai pas encore perdu et bon, c'est pas non plus horrible. Voilà, par exemple. Ah, zut! On invoque une copie? Ah, c'est pas sympa, ça, c'était vraiment pas sympa. Encore ça va, j'ai de la. J'ai de la provoque, mais. Ah, oh, c'est pas sympa ça. Genre pas très sympa. Non, ça c'était... Oh la vache! Ça c'était ce qu'il fallait pas, quoi. Ok, ça peut me sauver la mise. Une provoque, c'est toujours bien. Bon, par contre, c'est vrai que je me fais bien balader. Et c'est parce que j'ai pas l'habitude de commencer. Commencer, j'aime pas, parce que du coup, on a plein de cartes en moins. Enfin, je trouve qu'on a beaucoup moins de cartes et beaucoup moins de possibilités. Je préfère démarrer en second. Ah, j'aimerais pas perdre. Ça serait vraiment la loose. J'ai pas perdu depuis une dizaine de parties. Je me demande... avec mon chasseur, donc ce sera vraiment la loose. Tu peux pas attaquer, faut que tu passes sur mon petit gorille. Bon bah, je suppose que t'as quelque chose pour l'éliminer, mais rapidos. Voilà. Pose un deuxième serviteur, juste pose un deuxième serviteur. Allez, tu poses ton deuxième serviteur là. Oh, je suppose qu'elle a la deuxième boule de feu. MDR, tu te fais un peu défoncer là. Oui et non. C'est vraiment pas bon, ça sent pas bon du tout pour moi, mais... Mais tout n'est pas perdu. Genre si je survis à ce tour, j'ai gagné. Ou presque. Alors. Bien joué. Ah mais non, je suis con et en plus il y a 5 cartes. Oh, moi je suis tombé, j'ai perdu. J'ai perdu. Oh la loose quoi. Première fois que je perds depuis mais super longtemps quoi.
Enfin, je perds avec le... Avec le chasseur. On va recommencer. Là, j'ai la niaque. J'ai la niaque. C'est vrai que je me suis fait un petit peu défoncer. Voilà. Et si tu ne survis pas, ah bah... Le décalage de Twitch. Alors, Kongarosh. Un guerrier. Alors ça, c'est pas mal, parce que du coup, on a deux provoques. Une, c'est pas mal. Le nul bout. Non, je déconne. Oh, bah, heureusement que tu déconnes, je suis pas si nul que ça. Enfin, je suis pas très bon, mais je suis pas si nul que ça, quand même. Voilà, là, c'est mieux, je me sens mieux, je joue en second. Alors par contre, ça sent aussi le mec qui a plein de cartes mécaniques, tout ça, là, mais... de l'extension. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. On va y aller avec une provoque, déjà. Toujours avoir une provoque, ça permet de tamponner un petit peu. Voilà, du coup... Cette carte-là, ça annule un peu. En plus, ça lui fait un peu de dégâts. Non, c'est bien. Après, la question, c'est soit je mets le loup des bois. Non, je vais peut-être pas le mettre le loup des bois. Comme ça, il va nous mettre à égalité, étant donné qu'il va jouer sa hache de guerre embrasée. Ensuite, je poserai mon patriarche de argenté. Ah là là. Quoi encore ? Bah, tu joues ? Voilà. Toc, on va poser ça. Donc là on est bien. Je vais attendre une autre bête parce que là, j'ai 2 mètres chiens, c'est quand même une très bonne carte. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 2 cristaux. Ah, un tir explosif, c'est bien aussi ça. Ouh, que c'est bien tout ça. Alors après, on va voir ce que j'ai sur le dessus du deck. Le raptor c'est plutôt pas mal. Le raptor c'est pas mal, surtout si je peux le... Le maître chien isé, ça peut faire un sacré truc. Travail terminé. Le déchiqueteur piloté, il va m'enlever le... Voilà, il va m'enlever la provoque. Mais c'est pas un problème, on peut en remettre une assez facilement. En plus, je vais l'éliminer grâce au loup des bois, même si ça m'embête du coup de perdre. Joignez-moi. Prêt, chef. Ah bah non, même pas. Même pas, du coup. On va faire ça, mais genre plus balèze. Ah oui, merde, c'est vrai, il y avait ça. Inflige 2 dégâts à tous les serviteurs. Oh, c'est genre pas sympa, ça. Du coup, il va me tuer mon raptor. Il va me tuer mon raptor. Parce qu'il va se suicider. Voilà. Sympa, ça va tranquille, j'aime pas trop en face. Ok, une bonne provoque, c'est bien. Par contre, j'ai vraiment pas de bête, ça m'embête. Ça m'embête vraiment. Ça va vraiment être le live de la loose. En hors live, j'ai tout explosé. Mais alors, en live, c'est toujours la galère. Oh la vache. Il y a vraiment toutes les bonnes cartes. Quoi. Une armure faite sur mesure. Eh ben dis donc. Ouais, je vais bien me faire défoncer en fait. Hein. Mais bien correct en plus. Donc là, c'est pas compliqué, elle va m'attaquer. Il va m'attaquer avec le cri de guerre. Ah, dingo. Ouais.
mettre vos clés de Senjin, quoi. Ah non! Non mais je me fais mais correctement défoncer, quoi. Oh la vache. Je pourrais jamais rattraper ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Je pourrais jamais rattraper ce truc. Ah si, peut-être. Non. Bah non. À moins que j'ai une bête, non. Oh là là. Bien joué. Merci. Oh la vache. Deuxième. Oh la lose. Je comprends pas. J'ai tout explosé hors live, mais alors là. En live, je me fais mais enchaîner. Bon allez, on va refaire. De toute façon, j'ai un niac. Ça, ça va être bien. Alors c'est sûr, là, j'ai plus de perte d'image. Ça marche très bien Internet à partir. Oh non, encore un guerrier. Ça marche très bien Internet à partir du moment où le petit frère il tire pas dessus tout le temps. Alors je commence, c'est pas du tout ce que je voulais. On va virer le champion. Parce qu'une carte à 7. Ouais. Il y a un meilleur départ quand même. J'ai plein de cartes à 4. C'est pas génial. Là, le mec il va directement. Voilà, c'est une hache de guerre. Voilà. Il va me faire encore moins 3 directement. Je comprends pas. En plus, j'ai essayé en hors live de faire une mission qui consistait à faire 2 victoires avec un guerrier. J'y suis, mais genre pas arrivé du tout, quoi. Le guerrier, il se faisait défoncer chez moi. Je sais pas, j'y arrive pas. Après, je suis pas non plus très très bon dans les jeux de cartes, donc bon. Alors, c'est vrai que le Yeti Norwa n'est pas une bête. Faut pas l'oublier, ça. On va utiliser le pouvoir héroïque. Mais qu'est-ce que je peux prendre? Ça c'est cool. Le chef de guerre Lugiv, c'est cool. Surtout que là, il y a moyen que j'en ai. Il y a moyen de lui faire un petit plus 3. Si on arrive à poser toutes les bestioles. Ou un golem des moissons. On va poser le Yeti. Ça fait toujours bien peur, le Yeti. Travail terminé. Au prochain tour, je pose ma gueule d'acier et mon loup des bois. L'idéal, ça serait d'avoir un maître chien aussi. Ce serait d'avoir un maître chien. Ah, tu te décides en face ? Pour le chef de guerre ! Oh ! C'est bien ça. Alors, on va lui virer ceci. C'est genre pas cool. Là, il y a moyen de lui faire bien bobo le prochain tour. Il suffit qu'on pose le maître chien en mettant sur la gueule d'acier. On pose le crococis derrière. De toute façon, je sais pas ce qu'il va faire. Peut-être mettre une provoque. Tu décides? T'as quand même 5 joyaux, hein, c'est pas. Voilà, la faucheuse, forcément. Donc là, j'ai dit. Les chiens sont de sortie. Ceci. Ceci.
Au prochain tour, on pose le chef de guerre, l'Ogivre, qui est une carte vraiment très 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 violente quand elle est bien maniée. Et ensuite, on posera le chien du magma au prochain au tour d'après, s'il n'y a pas de d'autres trucs. Eh bah oui, ça va, Quick Gaming. Aujourd'hui, j'ai fait plein de tests vidéo et non pas audio concernant ma deuxième chaîne YouTube. Eh, ça avance bien, ça avance bien. Tout ce qui me manque maintenant, c'est les scripts. Voilà, j'ai trouvé mon endroit pour tourner, j'ai trouvé le matos pour tourner, même si c'est un peu de la daube. Mais pour l'instant, ça va. Tout marche bien. Sinon, j'ai une provocation aussi, ça marche. Hein. Déjà que t'as passé la provocation, mais genre, je sais pas comment. Ouais, tu joues ? Voilà, il fallait bien ça pour virer ma carte. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, il a galéré comme il n'est pas permis. Ah oui, non, mais non, ça c'est pas cool ça. C'est genre pas cool du tout. Encore que j'arrive à bien le descendre, mais là du coup, il va être obligé d'essayer de virer mon chef de guerre, l'Ogivre. Sauf qu'il a quand même 7 cristaux, ce qui est quand même pas rien. On va poser la provocation au prochain tour. Les portes sont ouvertes. Voilà. C'est ce que je craignais. Sauf que ça passe en fait. Ça passe. Allez. Et c'est le GG. Ah quand même, je pouvais pas perdre 3 fois d'affilée. Quand même. Allez, rang 19. Et 10 victoires. Allez, je suis chaud. J'ai dit vers environ jusqu'à 21h30, ça va être du Hearthstone. Après, je sais pas trop ce qu'on va faire. Ça dépendra de la qualité de ma connexion internet. Hein. On verra bien. Pour l'instant, ça va... Donc il est fort possible que ce soit aussi un jeu multi. Rexar contre Jaina. Possiblement du Pass of Exile. La traque commence. Possiblement. Alors là la question est qu'est-ce que je garde? Parce que j'ai quand même plein de cartes sympas. Et ben je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien servi. Allez, on va dire avec ça. Donc, on est contre un mage. Prêt à l'action. Alors, ouais, non, pas de carte. Pas si on peut essayer ça. Les trois cartes sur le dessus du deck. Ah, ça, je sais pas, là, je me tâte du coup. On va garder le chef de guerre l'Ogivre. Prêt à l'action! Ok, vous énervez pas trop, les mecs. Vous énervez pas trop. Là par contre ça fait quand même beaucoup de provocations en face. Ça fait quand même beaucoup de provoques et à enlever ça va être casse-pied. Pour rester poli. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont sérieux là? Ok, ça fait de la provoque. Il y a genre masse provoque. Du coup on va mettre ça. Ça tienne au moins un petit peu. En fait, il me faudrait genre une explosion d'une arcane, mais genre x2. Là, il suffirait de 2 explosions d'une arcane en tant que mage pour tout virer. Sauf que je suis un chasseur. Ah. Ça aussi, c'est pas sympa. Ah non, je sens la personne qui a monté son deck que sur ça en fait. Qui du coup me gêne, mais genre atrocement. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, là on va avoir le droit à au moins un mort en face. Au moins un. Voilà. On aura le droit à un deuxième.
deuxième. Ok, donc là ça va. Là ça va déjà mieux. Parce que du coup... Qu'est-ce qu'on pose ? On va poser ça. On va poser ça, ensuite on va lui mettre un maître chien. On va lui mettre un maître chien. Oui. D'accord, un berserker Gurubashi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Alors. Non. Les chiens sont de sortie. Voilà. Donc là on est bien. On sent le cristal ou pas? Parce que du coup, au prochain tour, on est à 7. Avec le cristal, on est à 8. On va le garder cristal, mais ça sera pour le... Le tour encore après. Non, on va faire ça. Parce qu'il va, il va être forcé d'attaquer, en fait. Il va être forcé d'attaquer avec celui-là. Or, les deux autres ne peuvent pas attaquer. Du coup, c'est plutôt pratique de les avoir encore sous la main. Aïe. Il va m'enchaîner. Aïe aïe aïe. What? Parce que là j'ai plus de provoque. Alors à moins de mettre ça. Ils ne s'en relèveront pas. On va mettre ça. On va mettre ça, je pense qu'il va m'attaquer avec le berserker, il va attaquer l'un des deux. Concentrez-vous. Oh là là. Je suis là pour apprendre. Cette bardée de provocation au début m'a totalement déchiré. Les loups de givre sont prêts. Oh là là. C'est genre pas cool. Ça se voit des mecs qui travaillent leur deck et ça se voit les ceux qui travaillent pas leur deck, genre moi. Bon, ok, ça va les mecs, je vous dérange pas trop. Hein. Oh là là. Yeah. Bon, on va y aller avec ça. Soit on attaque en face directement, sachant qu'il va être forcé d'attaquer lui. Il va certainement faire ça, donc éliminer juste celui-là, ensuite il va m'attaquer ici, ici. On va attaquer en face. Il y a moyen qu'on lui fasse encore bien des dégâts avant de clamser. Secret, je suppose que c'est la copie de la carte. Du coup, là normalement, il devrait se concentrer sur Rexar. Bien, Ali. Alors,
En fait, là, je peux pas jouer cette carte parce que c'est bien trop fort. Son secret, je suis à peu près sûr que c'est la copie de la carte quand on l'invoque. Du coup... Ah non, c'était pas ça. On va du coup... On va y aller autrement. Je me suis fait avouer. Du coup, il est à 17 PV, je suis à 14. Bon, c'est rattrapable, sachant qu'il y a juste... Voilà, un mec en face. C'est pas horrible. Ah. Bon là et ouais. Oh ça c'est bien, ça c'est très bien. Là ça va jouer vraiment aux cartes qui vont arriver. Ça c'est bien, sachant que ça veut dire qu'il a plus de moutons ou alors vraiment qu'il a de la chance. Et ben. Ok, va falloir faire très 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 vite. Parce qu'un golem de guerre 7-7. Oh ça va avec une provoque de plus. Yes! Alors, à moins d'un miracle de son côté, j'ai gagné. Alors que c'était vraiment très, très, très mal barré. Ouais, c'est cool. C'est très, très cool. Vous avez gagné. Oh, bah, il abandonne. C'est même pas drôle. Ok, ça y est, je rejoins mes victoires. Je réenchaîne des victoires. Il me reste quoi comme mission aujourd'hui? Attends, je regarde juste. Il me reste victoire de prêtre ou démoniste. Ah oui, je sais pas jouer ni l'un ni l'autre. Donc on va continuer un petit peu sur du chasseur. Hein. On va faire encore une ou deux parties avant d'essayer de faire le prêtre ou démoniste. On va voir. Un murloc. Rexar, ok, contre un chasseur. Rexar, que la traque commence. Je vous traquerai. Hop. C'est moi qui commence. Voilà, on commence avec ça. Mmh. On va poser les provoques. Tu as tes héros level combien? Alors j'ai un 19 pour le chasseur. Du coup il vient de passer 19. Un 16 pour le mage. Enfin, la mage, du coup. Un 11 pour le guerrier, je crois. Et après, c'est tout en dessous de 10. Hein. Dans les mêmes qui sont restés à 1, que j'ai pas vraiment touché. Qui m'intéresse pas, franchement. Après, il faudra peut-être que je les essaye un jour, quand même. Donc là on est pas mal. Donc je vérifie quels sont les niveaux des héros. Est-ce que le prêtre vaudou va clean le board? GG pour 19, 16, 11, c'est tout pourri, hein. C'est vraiment tout pourri, il y a des gens qui sont bien plus forts que moi. Mais bon, je me fais Hearthstone, je trouve ça cool. D'habitude, je suis pas du tout jeu de cartes, à part du poker. À part le poker, je suis pas du tout jeu de cartes. Oula, c'est quoi? Détruit tout serviteur. Laissé par serviteur. YOLO! YOLO, bah dans ce cas-là...
prends pas de risque. Je prends pas de risque. Ah, ça c'est cool. Le voleur est pas mal, tu dis, Quick. Bah, faudrait que je l'essaye, mais je crois que je l'ai pas touché. Je crois qu'il est toujours niveau 1. Bah, un serviteur aléatoire. Et il faudrait que je fasse les decks en fait. Le truc que j'ai toujours la flemme de faire, c'est les decks. J'ai même pas essayé tout ce qui était craft et tout. En fait, je ne connais pas Hearthstone, globalement. Mais j'aime bien y jouer. Faudrait que j'essaye tout ça d'ailleurs. Faudrait vraiment que j'essaye tout ça. Oh, prêt à partir. Alors, le poulet, qu'est-ce que tu vas te faire défoncer? Ah, ce qui m'embête, c'est vraiment de plus avoir de cartes du tout. Oh, oh, ça c'est bien ça. Allez, boum. Alors. Rien que moi et Monsieur Barbie. Putain. Il y a du monde. C'est niveau combien le max déjà? 30. Mais arrêtez de vous suicider. Alors le niveau max, je sais pas du tout ce que c'est pas niveau 100 ou un truc comme ça. J'en sais absolument rien. On pourrait demander à mon ami Google, mais pour l'instant il y a internet qui s'est remis à déconner, donc on va peut-être pas lui demander. Alors, j'ai 520 pièces d'or. J'aimerais monter à 700 pour atteindre le deuxième le deuxième palier de Naxxramas, mais j'ai toujours pas fini le premier. D'ailleurs, je pense que prochain, on essaye de faire Naxxramas. Une carte supplémentaire, c'est cool. Par contre, on va enlever la 5 parce que la 5 c'est quand même beaucoup. Ça, c'est mieux. Alors, revoilà une mage. Pour l'instant, je suis à ma troisième victoire d'affilée. Gaming qui va voir quel est le niveau max. C'est cool, si tu peux me le dire, c'est cool. Ok, bon, ça va. C'est pas ce qu'on pourrait appeler la dangerosité immédiate. Voilà. Fin du tour. Alors. Oh non. On peut faire ça. Du coup, voilà. Aux armes. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire en face? Qu'est-ce qu'il va me poser? Oh, une provoque. Bon. C'est 60. Je pensais bien à 30, 60, 90, mais après... 60. Ben, je pense que c'est quand même long, 60. Je pense que c'est quand même très très long. Bon, par contre, là, je suis bloqué. Enfin, bloqué. Tout est relatif. Mais je suis dans une assez mauvaise posture. On va attaquer avec ça. Et avec ça aussi. Parce que comme ça on pourra mettre le cri de guerre du maître chien sur ma petite gueule d'acier. Alors à moins qu'on le mette sur le chien du magma, mais c'est quand même plus bourrin. Surtout ça va me demander d'attendre vachement longtemps parce qu'on est déjà
au tour à 5. Vous pouvez pas poser deux, genre deux serviteurs histoire que je puisse utiliser cette carte parce que je peux jamais l'utiliser. Voilà. Dun, dun, dun. C'est pas sympa. À ce qui paraît, l'XP en victoire et défaite au level 40 est la même. Bon, bah. Encore. J'ai envie de dire peut-être encore heureux parce que vu que level 40 ça doit être autrement plus difficile. Parce que là, je suis toujours en non classé, donc perdre en non classé, ça veut dire que t'es pas forcément très très bon. Et j'ai essayé des parties classées une fois, mais vraiment je me suis fait défoncer quoi. Ouais, peut-être que je m'y investisse plus, vu que je peux pas jouer à grand chose d'autre sur mon petit PC. Peut-être moyen que j'y joue plus souvent. Et il est même fort possible que je puisse streamer de mon appart à Blois. Bon, par contre, ça sera un stream beaucoup plus restreint. Le temps me manque. Étant donné que j'ai pas de carte graphique, que j'ai un processeur tout pourri et que mon PC a tendance à planter de temps en temps, notamment lorsque je me sers beaucoup d'internet, et c'est risqué. C'est un peu risqué. Passez derrière moi. Ah, la question est, qu'est-ce que j'utilise ? Ça ? Alors... Ah, au fait, bonne nouvelle pour toi, Quick, tu m'avais demandé pour le vocal. J'ai créé un serveur Mumble pour l'occasion. Donc il y a un serveur Mumble, mais je l'ouvrirai que quand il y aura besoin. Pas sympa la nouvelle règle. Que quand il y aura besoin, lorsque on fera des outils. Pas sympa ça. Ah merde, ça c'était con. Ça c'était très 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 con, par exemple. J'ai des problèmes de coût avec tout en dehors de Steam, Internet et je sais pas. Ok. Je me demande. Ok, méfiance. On va utiliser ça. Secret. Ok, donc on sait qu'on a deux copies de provocation en face, donc on va y aller en bourrinant. Parce que là, il y a urgence. Je vais me charger. Travail terminé. Wouah. Il reste 5 PV. Oh, je suis toujours à 30 PV. J'ai pas fait gaffe. Est-ce que je vais lui mettre un 30-0 dans la face? C'est possible. C'est possible que je mette un 30-0 dans la phase de Daniel. Daniel. Sérieusement, ça s'est passé comme pseudo. Que faire ? Que faire ? Et surtout, il a quand même un paquet de cartes dans sa main. Il a juste 6 cartes, il y a moyen qu'il joue quelque chose. Parce qu'il a 9 cristaux. Donc oui, il doit pouvoir faire quelque chose. Butez-le ! Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, c'est bien ce que je m'attendais, des provocations. Qu'est-ce que vous voulez ? Ok. Ok, ok. Bon, bah, j'ai gagné. J'ai globalement gagné, donc là, n'importe quoi, c'est. On va finir avec ça. Et voilà, j'ai gagné.
Boum, 3 victoires. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait une dernière avant de s'attaquer à Naxxramax. Bon, allez, une petite dernière. Une petite dernière, et après je m'attaque à Naxxramax. J'ai eu un message chelou. Sorry, we are unable to connect to chat. Reconnecting in 2 secondes. Oui, ça veut dire que tu perds la connexion au chat. Je l'ai assez souvent. Parce que le chat n'est pas forcément très stable, surtout quand on est sous Chrome. Le chat de Twitch est pourri sous Chrome, je sais pas pourquoi. Alors là, la question est, qu'est-ce que j'enlève? Le compagnon aléatoire, c'est pas mal. Ah, en fait, les cartes, elles sont super bien. On va les garder, mais ce qui m'embête, c'est que j'ai pas de carte basse. Là, je peux pas jouer avant le troisième tour, ce qui est quand même très embêtant. Merci, Quick. Ouais, je m'y mets ensuite. Tiens, putain. Alors, ah oui, c'est vrai, j'oublie tout le temps que Gul'dan, il se joue beaucoup à l'auto-damage. Ça se joue beaucoup à l'auto-damage, c'est-à-dire se faire des dégâts à son propre héros pour faire des dégâts à l'autre. Ce que je conçois difficilement, moi qui ai tendance à plutôt garder... mes PV au max quand je peux. Oh la vache, ça fait déjà très très mal en face. Au prochain tour, je sais que je vais faire une flèche multiple parce que là, je peux déjà prendre 7 dans ma gueule. Ce qui est pas sympa du tout. Je suis pas sûr que je survive beaucoup. Allez, on va faire ça parce que là il faut. Yes, c'était les bons. Ou presque. Non, en fait, c'était pas forcément les meilleurs. La vache. La vache, la vache. Venez-vous battre, Berwin. Ok, je sens qu'on va finir le multijoueur sur une grosse défaite. Je peux pas faire ça. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais pour l'instant, je me fais bien doser. On va prendre ça. Je me fais mais bien doser. Du coup, TS veut pas Sco, Hearthstone veut pas s'installer, pas de co-blizzard. Message du bug des 2 secondes. Eh ben, je sais pas quoi te dire, si ce n'est qu'il faut réviser ta connexion. La vache, je vais prendre très très cher. Ouais, on va faire ça. Mais pour l'instant, je suis en train d'avoir très très bobo. Je suis même mort en fait là. Non, c'est fini. Je suis mort. Bon, c'est pas un 30-0, mais dans l'esprit, c'était un peu ça quand même. Dans l'esprit, c'était un petit peu ça. C'était juste pour me mettre à un PV qui a fait ça. D'accord, c'était juste pour me mettre à un PV en fait. Ça devait être ça. Là, normalement, je suis mort. Bien joué. Et c'est le fail. Bon.
Bon, c'était pas si horrible. J'ai quand même fait 3 victoires. Je crois que j'ai fait 3 victoires, 3 défaites. Pas forcément le mieux. Mais bon. Alors, on est parti. J'en suis à là. Waouh, j'ai vachement avancé. Forme des acolytes à m'adorer. Son travail est extrêmement important. Ne la dérange pas. Alors, j'ai essayé de me battre contre elle avec mon chasseur. Mais c'était pas le... C'était pas le GG total, quand même. Parce qu'elle a quand même des sacrées capacités, dont une capacité qui est très, très, très casse-pied. C'est celle-là. Sa capacité ultra casse-pied qui consiste à envoyer des missiles sur le terrain selon le nombre de serviteurs qu'elle qu'a la main adverse. Même mal installé, Hammerwatch, pas tout de suite, pas tout de suite. Je suis encore sur Hearthstone, je sais pas trop quand. Mais bien sûr, on... Oh la vache, je sais pas trop quoi prendre. Bien sûr qu'on fera du Hammerwatch, mais pas tout de suite. Il faut prendre des cartes de... Avec toutes les cartes. Sortez vos morts. Alors là, cette carte là, je la déteste parce que il n'y a que des serviteurs avec râle d'agonie ou presque. Du coup, forcément que. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Viens de là. À genoux, vermisseau. Voilà, ça c'est cette technique que j'aime pas. Au fait, sur Mumble, on m'entend pas. Si, j'ai fait en sorte qu'on entende. Je vais me faire mais joliment défoncer. Je le sens très très bien. Ça sent vous le. Vous me rejoindrez fait. Tous dans la mort! Ouais, ça sent bien le truc bien violent là. Ouh. Sortez vos morts. Oh là. Ils ne s'en relèveront pas. Ok. Venez-vous battre, vermine. Je suis encore à 14 PV. C'est sur moi tes mots à l'oreille. Oh la vache. Terminé. Oula. Oula, désolé, j'ai dû. Au nom du maître. Je me fais littéralement déchirer. Mais genre bien. Ok, je fais quoi? Je fais ça. Il faudra que tu m'envoies un message team pour me dire pour Mumble et Hammerwatch, car là je lag un truc de fou. Mon PC est en mode pause, j'ai failli marcher à part Steam et Internet. Ok, d'accord, bah change de PC. Je t'enverrai un message, oui, si tu veux, mais ton PC a un gros, gros problème. Et moi aussi, j'ai un gros, gros problème. Contemplez la puissance de hurlement. Oh là là, je me fais trop les déchirer. Se tiennent prêts.
Voilà, ça y est, je suis mort. Et c'est le pas GG du tout. Waouh. En fait, ça fait super mal. Alors, dire qu'il y a encore tout ça et que ça va en difficulté croissante. J'avais ri. Anubretan est l'un de mes plus puissants seigneurs alignés. Alors, bonne chance. On va réessayer, mais je pense que je vais encore me faire déchirer. En fait, il faudrait plus de cartes de... avec des coups bas. Rexar contre Grande Veuve Faerlina. Sauf que évidemment j'ai trop la flemme de changer mon deck. Que la traque commence. En plus j'arrête pas de commencer, j'aime pas quand on commence. Et j'ai des cartes de... Voilà. C'est quoi ce tir? C'est pas croyable quoi. J'ai tout sauf du monde. Allez. Le PC de Quick est dissident. Bon, il faut que tu le mates hein, parce que un PC dissident c'est jamais cool. Hein. Venez-vous battre, Berwin. Allez, ça commence bien. Tiens. Ça commence de façon fantastique. Vite que je vire des cartes parce que là, je suis sûr qu'elle va nous sortir à puits de feu. Sortez vos morts. Ok. Je me fais encore super bien doser. Alors. YOLO. YOLO. Passez derrière moi. Elle a plein de cartes en plus. Pas tout de suite, Quick. Là, ça se voit pas, mais je lève les yeux au ciel tellement je suis blasé. Mais genre blasé violent, tellement j'ai des cartes toutes pourries et tellement je me fais malmener. Tuez-les au nom du maître. Ouais, je suis clairement en train de me faire, mais genre malmener, mais correctement. Ça. Wow, c'est... Vous me rejoindrez tous dans la mort. En fait, on dirait que les cartes, l'ordinateur, il les choisit pile les bonnes. Et à chaque fois, c'est toujours celle qu'il faut qui sortent. Ça m'embête. Est-ce qu'il faudrait que je détruise ça? Il a échoué. Non, jure. C'est ce qui s'appelle se faire défoncer. Bah, bon, je me suis fait déchirer une deuxième fois, on va lâcher un peu l'affaire. D'ailleurs, l'entraînement, j'ai tout fini ou j'ai pas fini? Ah non, c'est les entraînements classiques. Non, c'était pas l'aventure que je voulais faire. C'était... Ah oui. C'était quelle mission, juste? Nettoyer... Ah, il va être dans 28. Allez, dernière petite partie, il faut que je fasse avec un prêtre ou un démoniste. On va essayer démoniste, tiens. On va essayer démoniste. Voilà. J'ai encore jamais essayé.
Gul'dan contre Garrosh. Ok, Garrosh. Votre âme sera à moi. Alors, on va virer parce qu'on a pas besoin de deux charges. C'est bien ça. Ok, j'ai encore une charge. Pas très grave. Combat des épées. Waouh. Je connaissais pas cette carte. Alors là, je ne connais absolument rien. C'est on va piocher une carte. C'est pas mal ça, souvenir son bracarier. C'est puissant, ça rend des points de vie. Quelqu'un a demandé un docteur. Ok, là en face il joue pas mal. Il joue pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on fait le Drambi. On va faire le Drambi, voilà. Comme ça, au moins, on a récupéré des PV. Nous devons purifier le puits de soleil. Alors, trait de l'ombre. Trait de l'ombre ou ça? Sinon, il y a l'ombre magie, dégâts des sorts plus 1. Dégâts des sorts plus 1, allez! Parce que du coup, 5 points de dégâts, on garde, c'est pas mal. Prochain coup, on invoque un chevaucheur de loup et, le crocodilisque. Ennuyotron, c'est quoi ce truc tout pourri? Ouais, par contre, ça commence à charger un peu le board. C'est genre pas sympa ça. On va poser ça. Voilà. Travail terminé. Ouh, que c'est embêtant. Pas quoi faire. Je ne sais pas trop quoi faire. Il y a rien qui se goupille correctement. Il y a rien qui se goupille correctement. Là, ça c'était pas cool. On va utiliser ça. Prêt à partir. Date de mon acier. Voilà, du tour. Donc. Ouais, c'est ça, je me fais malmener, mais bien. Ça fait 3 points de dégâts à tous les personnages. Ça marche aussi pour les serviteurs. Ça marche aussi pour les serviteurs. Je vais avoir besoin de piocher. C'est cool, ça va me rendre des PV, ça.
Allure. Bien joué. Il avait toujours pas utilisé. Oui, il va me sortir un gros truc là, je pense. Ragnaros. Bon. Ça, c'est genre pas cool du tout. Là, je croise les doigts. Arf. Je pense que j'ai perdu. Je pense que j'ai perdu. Ouais. Tu peux encore arriver. Ouais, non, mais j'ai perdu. Et c'est le fail. Bon. Pas très grave. C'est pas très grave. Par contre, je sais que je suis pas très bon. Hein. Juste, je vais regarder ma progression. Parce que j'en suis, j'ai fait 51 victoires. Sachant que j'ai dû faire à peu près le triple de partie. 66 au niveau total. J'ai 16 mages, 19 chasseurs, 11 guerriers, 7 voleurs, 5 prêtres et 5 chamans. Après, le reste, c'est tout à 1. Moi, j'ai que le druide et le paladin que j'ai final, que j'ai pas touché encore. Voilà, voilà. Donc, il est 21h30. Je pense qu'on va changer de jeu. Mais changer pourquoi? Ça, c'est la grande question. Pourquoi? Alors, j'ai... qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais prévu quoi? En fait, pas grand-chose. J'avais presque rien prévu, si ce n'est qu'on allait jouer. Sauf que comme il n'y a pas l'air d'avoir grand monde sur le chat... Je sais pas trop quoi prévoir. Je sais pas trop quoi prévoir. Si à la limite on peut faire du Rogue Legacy, ça par contre c'est super cool. On peut faire du Rogue Legacy, ça c'est très très bien. Ouais, ça c'est pas mal. On va faire du Rogue Legacy. Allez. Donc, je vais quitter le jeu. Voilà. Donc je vais m'occuper du titre de Twitch. M'occuper de régler ça. Alors faut juste que je passe sur non, ma chaîne. Voilà, ça doit faire un petit peu ramer. Mais comme bien le jeu, enfin, j'ai pas encore affiché le jeu. Voilà, seconde partie de soirée sur... Non, sur... Comme bien le jeu... Enfin, j'ai pas encore affiché le jeu. Zut, j'ai déjà oublié. Voilà, Rogue Legacy. Rogue Legacy. Done. Zut, j'ai déjà oublié. Rogue Legacy. Voilà, c'est bon. Donc, une fois que ça c'est fait, on va lancer Rogue Legacy. Alors, par contre, il va falloir que je mette en fenêtré. Allez, réveille-toi. Il va falloir que je mette en fenêtré, que je baisse le son aussi. Ah oui, c'est vrai, là je suis en Quest plus 4. On va juste modifier. Toc. La qualité, on va baisser. Ah oui, bah par contre, du coup, je dois encore baisser la résolution, ça m'embête un peu. Mais sinon, je vois pas le chat. Encore baisser un petit peu la musique, même si elle est absolument géniale, ça va saouler certains. Voilà. Ensuite, il faut que je
configure. Voilà, on va configurer ça. Rogue Legacy. Voilà, juste que j'édite la scène. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué. On va faire une nouvelle partie. Allez, on va faire une nouvelle partie. Start New Legacy. Non. On peut pas passer ça déjà. Alors c'est vrai que j'ai pas de manette pour jouer, donc là je vais jouer au clavier. Donc ça c'est le début, l'histoire. Alors, le tutoriel qui est extrêmement bien fait, je trouve. Coucou. Voilà. À toute quick. Moi je fais un petit peu de Rogue Legacy. Ah non, je sais plus jouer. Je sais plus jouer. Allez, c'est parti. Start your legacy. Bon. Alors. La question est. Combien de temps je vais tenir. Alors pour ceux qui connaissent pas Rogue Legacy, ben c'est un roguelike où on doit essayer de tuer le méchant vilain pas beau, le dernier boss, mais pour ça il faut passer par quatre autres premiers boss pour ouvrir la porte du dernier boss, hein. Bon, ça c'est classique, mais surtout en fait la particularité de ce jeu c'est que voilà, à chaque fois on joue l'héritier de notre perso précédent, sauf qu'à chaque fois c'est des classes différentes, des caractéristiques différentes, des attributs différents. Du coup c'est... Ah zut, premier touche. Du coup c'est ça donne des trucs vraiment très différents à chaque partie. La configuration du château n'est jamais la même, la configuration du perso n'est jamais la même en fait, tout est différent. Bon, il y a des patterns qui reviennent bien sûr, mais je suis en train de me faire désosser. Je suis clairement en train de me faire désosser. J'ai déjà plus de 14 PV alors que je suis au tout début du jeu. Alors que je suis censé ne pas avoir trop de problèmes. Alors, on va les attirer vers le bas. Voilà. Alors, faut que je me concentre. Faut que je me concentre. Je suis pas concentré. Alors, le jeu est assez permissif au niveau des hitbox, ce qui est plutôt cool. Alors l'objectif en fait entre chaque run, c'est si on n'arrive pas à tuer le boss, c'est de récolter un max de sous, parce qu'on garde des sous et ça permet d'améliorer son perso au fur et à mesure. Alors, par contre, là, je suis vraiment dans la caca, il faut que je retrouve de la vie en fait. Il me reste 24 PV, c'est ridicule, il me reste un coup en fait. Ah oui, non, 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 en fait là je suis dans une salle de mini-boss. Je ne vais pas y aller. Mais c'est quoi cette configuration toute pourrie? Parce que là on peut difficilement passer, en tout cas c'est pas facile sans se prendre de dégâts. Avec un perso de type pourri. Le perso de départ. Alors, j'ai vraiment une configuration mais méga pourrie quoi. Quelle configuration de les noix là. Alors, en plus faut que je réapprenne à jouer. Coucou. Alors moi je connais les ennemis donc ça va à peu près. Alors, genre par exemple ça je savais que c'était un Doombass. Ça aussi. Donc, là ça va. Je sais comment gérer la plupart des ennemis. Ah, 500, ce qu'il faudrait c'est 1000 d'or. Avoir la mort, au moins 1000 d'or. Voilà. Non. Non. Oui. Allez. Voilà.
là pour l'instant je gère bien. Alors là c'est un blueprint, donc la blood cape c'est pour des équipements qu'on peut crafter, mais ça c'est une fois qu'on est mort en fait. Faut au moins mourir une fois pour avoir le, ne serait-ce que l'artisan, le forgeron. Alors ça c'est pour parier, on parie la, le tiers de notre argent pour en gagner de double. Je vais pas parier parce que c'est quand même la première fois et j'ai pas... Ah ça c'est bien, ça c'est la chambre du boss de la première zone, sachant qu'il y a 4 zones. Et il y a toujours deux coffres dans cette chambre et il y a toujours deux statues, dont une statue qui restaure forcément de la vie. Par contre c'est la chambre du boss, on va peut-être éviter. Ah ça y est, j'ai passé les 1000 de fric. J'ai passé les 1000 de fric, par contre je suis bien stalké. Ah. Bon, j'ai au moins les 1000 de fric, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour un premier essai. Alors là j'ai le choix entre un chevalier avec démence, qui ça veut dire qu'il est n'importe quoi, un barbare avec Anything Far Away is Blurry, donc c'est alors quand c'est loin c'est hypermétrope ou myope, non il est myope, c'est myope, je crois que c'est myope, near sight c'est myope, et un mage qui ne voit pas en 3D. On va prendre le Luke Knight, c'est pas mal parce qu'au moins la tribu il est pas trop horrible. Voilà, donc là j'ai le smithy, donc c'est le forgeron. Alors faut mettre des points, ça permet d'augmenter les persos. Donc là par exemple j'ai obtenu le knight, le equip up. Je vais juste voir ce qu'il propose le blacksmith. Il propose évidemment du meilleur matos qu'on va acheter. Le set de base au moins. Sachant que les équipements peuvent aussi donner des attributs, genre par exemple la blood cape elle diminue 30 la vie, mais en même temps elle donne plus 1 en vampirisme, ce qui est plutôt cool si on joue avec du vampirisme. Donc en fait on diminue la vie pour augmenter le voilà, pour augmenter le la récupération de vie en tapant sur les monstres. On a débloqué l'architecte aussi, ça permet... L'architecte il est obligatoire pour avoir la partie gauche du château, mais c'est surtout pour... il permet de bloquer le château dans une configuration. A chaque fois on peut bloquer le château dans une certaine configuration pour pouvoir essayer avec le même pattern. Bon là j'ai gagné. J'ai laissé tout mon reste d'or à Caron parce que je pouvais plus rien acheter normalement. Et du coup, je peux rentrer avec un nouveau perso dans un nouveau château. Ah oui, d'accord, c'est vrai, j'avais oublié. Son attribut, c'est insane, c'est-à-dire qu'il imagine des ennemis. Sauf que je vais me faire toucher, mais genre moche. Aïe. Je prends déjà super cher, ce qui est pas cool du tout. Ah. Ah. Ah c'est vrai, j'ai pas le double saut. Trop l'habitude de mes autres persos quoi. Ah mais non, ce genre de salle sans mon double saut, je le passe pas. Hein. Des gros pics, ça fait tellement de dégâts, c'est genre le truc à ne pas faire. Voilà. Aïe. Oh. Je sais pas jouer. C'est genre mais monstrueux. Je sais mais genre pas jouer. En même temps avec du commentary c'est peut-être un peu plus compliqué que d'habitude. Mais quand même. Pas non plus poussé. Eh oh, reviens. Voilà.
Ok. À chaque fois, il faut que j'ai au moins 1000 parce que c'est... C'est quand même la base. Étant donné que les coûts des améliorations augmentent au fur et à mesure des achats. Oh, c'est ce qui s'appelle se suicider. Voilà. Oh, bon d'accord. Knight Sword, c'est cool, un plan pour une sword, c'est toujours bien. Alors j'utilise pas les sorts alors que je devrais. On va descendre. Gagna. Oula. Eh, ça c'est le genre de salle qui est pas cool du tout. Ok, bon. J'ai pas fait 1000, c'est pas très grave. Donc là il y a un Knave. Et un paladin. Les mages on l'oublie, hein, c'est toujours pourri les mages. On va prendre un Knave. Pas mal. C'est pas mal. On va upgrade le Barbarian en Barbarian King. C'est juste absolument cheaté. Donc là, normalement, j'ai plus de sous. J'ai plus que 50. Ouais, ça coûte 375. J'ai plus de sous. Oui. Là, c'est parti. Voilà, ça j'aime pas trop. Alors le Knave c'est cool. C'est globalement c'est un assassin donc pas beaucoup de dégâts de base mais surtout de sacrés coups critiques. Donc là il y a une méga salle, je vais pas m'y frotter. Ça fait surtout des sacrés coups critiques. Voilà, 68 en coups critiques donc ça one shot bien. Sachant que ça fait souvent des coups critiques. Du coup, pratique. Comme d'hab, je sais toujours super bien jouer. Ah là là. Voilà, c'est passé. J'oublie toujours que j'ai pas le double saut. Faut s'accrocher. Pousse-toi de là. Voilà. Tac. YOLO. Alors là, il y a une salle qui est plutôt sympathique. Alors, elle est faisable. Il y a un coffre tout en bas. Elle est largement faisable, sauf que... Voilà, c'est surtout ça qui sont embêtants. Oh, t'aurais pas pu me m'acheter parce que du coup j'ai foncé dedans. Ouais, y'a. Oh, ça c'était la loose. Ça c'était la loose. Il y a un Barbarian Queen, ce qui est plutôt pas mal. On va voir si je peux pas équiper la nouvelle sword. Ouais, c'est bien ça. Par contre, j'ai plus de sous. Je suis tout petit. Je suis un nain. Enfin, une naine pour le coup. Ça se voit pas, j'ai un petit papillon rose sur la tête. Je suis une fille. Par contre, apprécier les distances, c'est quand même plus compliqué. Ouais. Parce qu'il saute aussi haut, mais genre plus petit perso, donc bon. En plus, il tape moins loin. Par contre, il y a quand même des avantages, parce qu'il faut pas pousser non plus. Un perso avec que des désavantages, enfin une caractéristique avec vraiment que des désavantages, il y en a, mais nain, fallait quand même pas non plus abuser.
qu'on peut passer dans les petits trous quand il y a des petits trous. Sauf qu'évidemment, pour l'instant, il n'y en a pas. Sinon, c'est pas drôle. Ça s'appelle être trop précipité. Voilà. Oh, je voulais taper vers le bas. Alors ça c'est cool. Ah non, c'est pas cool du tout. Alors ça c'est une statue qui permet d'invoquer des trucs, ça peut être, c'est totalement aléatoire, ça peut être un bonus comme un malus. Et en l'occurrence c'est un sacré malus. Littéralement ce que j'ai reçu ça s'appelle le sortilège du hérisson. Ou plutôt la malédiction du hérisson. Un certain hérisson bleu a tendance à perdre des anneaux quand il prend des coups. Bah là c'est pareil sauf que je perds du fric. Sauf que ça me le fait aussi lors de mon dernier coup quand je meurs. Le seul moyen d'enlever cette malédiction, c'est de retrouver une statue. Alors après, je crois que ça crée des sous aussi. Je crois que ça crée un peu d'argent quand j'en perds. Sauf que c'est pas très rentable, à moins de se faire toucher en permanence et de trouver le moyen... Oh là. Là, il y a juste un gladiateur. Ouf. À moins de trouver le moyen de me faire toucher en permanence et de gagner de la vie en permanence, ce n'est pas possible. À part peut-être avec du vampirisme. Ça, c'est quand même chaud cette technique-là. Parce que surtout c'est un pourcentage, c'est même pas un nombre, c'est un pourcentage. Donc on perd forcément un certain pourcentage de notre argent. On va éviter celui-là parce que c'est genre... Trop... J'ai dit quoi, on allait éviter celui-là. Non. Alors ça c'est un zombie spécial. C'est des zombies de dernier niveau. Ah évidemment. C'est des zombies de dernier niveau. Il n'est pas repoussé par les attaques. C'est-à-dire qu'on tape dessus, il ne recule pas en arrière. Du coup c'est très casse-couille. Alors là on va changer un peu de musique. Non après c'est pas mal. Alors c'est juste un tableau, même si en fait c'est les autres jeux du de la boîte qui sont présentés. Alors là il y a moyen de faire quelque chose. Je peux choper le dernier coffre, voilà. L'objectif de la salle c'était d'aller en haut et de récupérer ce qu'il y avait dans le coffre sans se battre. Sauf que c'est plus difficile quand on est grand. Or là je suis tout petit. Non, merde. C'est genre pas ça que je voulais faire. Wouah ! J'ai perdu plein d'argent. J'ai perdu plein d'argent, mais j'ai eu une rune. Runes qui sont très très cool. Ça permet de booster le perso. Genre bien. Clumsy, c'est pas mal ça. Par contre, j'ai perdu plein d'argent. Du coup, on va demander l'enchantresse. Ça permet d'utiliser les runes. Et vu que j'en ai découvert une, ça peut être pas mal. Oui. Alors les runes, là par exemple j'ai une rune de sprint. C'est pour les dash, sauf que je suis très nul en dash. Ça c'est une rune de saut, ça permet de faire un double saut, c'est indispensable. Et ça c'est rune de retaliation. Ça retourne des dommages aux ennemis, ça c'est bien aussi. Ah bah j'ai plus de sous. Et bah allons-y. Allons-y. Alors là c'est un knave, donc gros coup critique. Mais surtout, il a comme avantage d'être... de casser des trucs en marchant... tous les équipements au sol, il les casse en marchant dessus. Voilà. Donc, par contre il peut pas tenir sur les bibliothèques du coup. Il peut pas tenir sur les bibliothèques, voilà. Alors que les autres persos pouvaient. Ah mais merde, c'est vrai, j'ai oublié. Il peut pas tenir sur les bibliothèques, mais casser des trucs lui permet de restaurer des MP, donc à la limite il faudrait que je me serve plus de ça.
en mode bourrin. Ouais, c'est ce qui s'appelle avancer en mode bourrin. Oula. Non, bon. C'est vrai que j'ai un deuxième saut maintenant. Faut que j'en serve. Voilà. Ok. Donc là on est plutôt bien. Je suis quand même assez précipité. Allez. Pose-toi de là. Ouh, ça c'est le clown, le carnaval. Alors là, c'est... il y a différents mini-jeux. Celui-là, en l'occurrence, ça consiste à utiliser des haches. Donc le sort hache, on a 5 haches pour essayer d'enlever un maximum de cibles. Il faut que j'en laisse... Ouais, non, je... Il fallait que j'en laisse 90 pour gagner le mini-jeu. Bon, ça gagne quand même des sous, mais j'ai pas eu autant que je voulais. Il y a un deuxième mini-jeu clown, mais il est encore plus dur, je trouve. Tu vois, c'est le seul qui est faisable sur les deux. Oh, demi-tour. Ça, c'était genre très nul. Et ça, c'est très nul comme endroit aussi. Ah là là. Mais c'est quoi ces lieux de... Ok, d'accord. Il me reste 10 PV, ce qui est potentiellement méga risqué, hein. C'est potentiellement très nul aussi. Bouh, je suis pas très bon ce soir, bon. Un Barbar Arking encore, c'est bien le Barbar Arking, c'est pourri, mais pourri de PV, quoi. Et ça par contre c'est encore mieux. Le Shinobi. Le Shinobi, c'est encore mieux, c'est la classe cheatée à bas niveau. Le Shinobi ne fait pas de coup critique, par contre, hein, des dégâts de base, mais ultra bourrin, quoi. Ça a moyennement de la vie, moyennement de la mana, mais c'est genre mais méga bourrin. À bas niveau, c'est simple, c'est ce qui peut tout niquer. Après, à plus haut niveau, c'est plutôt l'assassin. Et le Barbar King qui se partage le haut du panier. Mais alors, à bas niveau, c'est assez monstrueux. Voilà, ça c'est bien. Ok. Oh. Pff. Ah non! Comment oublier que... Oh la vache. On va essayer le boss. Je pense qu'on peut essayer le boss. Il y a moyen que je le fasse. Je suis quand même pas si mauvais. Ou pas. J'ai quoi? J'ai les faux. C'est pas le meilleur... le meilleur équipement, les faux. Oula! Un œil de niveau 3. Un œil de niveau 3, ça se fait assez facilement en fait. Si on s'éloigne bien, ça se fait assez facilement. Voilà. Knight Brushers. Ah oui, en plus je peux récupérer un peu de vie. Ouais, non, je pense qu'on va essayer le boss. On va essayer le boss, il y a moyen de le faire. On va juste vérifier qu'il n'y a pas d'autres trucs en dessous. Et il y avait quoi? On va voir si c'est pas genre... Ouais, si. Voilà. Donc là, on peut récupérer un peu de vie. On va essayer ce boss. C'est parti, mon kiki. Allez, hop, premier boss. Kid. The Gatekeeper.
Voilà, donc c'est globalement pas très compliqué. Sauf ça. Voilà, ça c'est genre casse-pied aussi. Ah! Désolé si je dis rien, je suis concentré. Comme dira un de mes potes, peut-être plus con que centré, mais pour l'instant je reste concentré. Oui! Premier essai de cette partie, vainqueur. Boum! Plein de sous. Masse sous. Et des caractéristiques en plus. Hop, ça y est, premier boss fini. Alors ensuite, après, au niveau de la carte, c'est plus le boss à droite qui est le deuxième niveau. Donc c'est le boss de la forêt. Alors il y a des replays sur le web, hein, bien sûr, voilà, c'est la forêt. Il y a des replays sur le web où on voit des mecs qui sont capables de faire les 4 boss avec les premiers persos. Pas en un perso, je crois que j'ai jamais vu en un perso. Mais c'est fort possible que... Enfin, le jeu, il peut se finir très très vite. Hein. Je suis pas encore là. Déjà, je joue pas à la manette, ce qui est assez handicapant. Voilà, hop. Je ne joue pas à la manette. Alors là, l'objectif, c'est de survivre le plus longtemps possible, si possible de trouver la deuxième chambre du boss, parce que c'est toujours bien, il y a toujours 2 coffres au minimum. Waouh. Alors, faut pas oublier ceci. Oh oh. Oh oh. Nah. J'étais bien jusque là, j'étais bien. Mais il m'a juste 20 PV, ce qui est ridicule. Oh, j'aime pas ces salles, j'aime pas ces salles du tout. Prendre encore un coup. Alors ça, c'est un gros tableau vivant. C'est pas un petit tableau comme les autres. Il avait des bords légèrement noirs, ça indique que c'est un gros tableau vivant et c'est un des mini-boss du jeu. Du coup, on va éviter. Ah non, il faudrait la rune de vol pour la deuxième partie. Ah, ça c'est bien. Alors le deuxième, c'est une tête de fantôme géant, sauf que j'ai pas du tout, mais du tout le DPS qu'il faut. Il faut quand même un DPS de gros taré pour se faire celui-là assez facilement. Parce que en fait, c'est une tête géante, comme celle qui envoie des boules, elle en envoie aussi. Sauf qu'elle envoie aussi des petites boules. Et du coup, c'est encore plus casse-pied. Enfin, elle envoie aussi des petites boules, mais elle envoie aussi des petites têtes qui envoient elle aussi des boules. Voilà, donc c'est... genre pas très sympa. Alors après, le jeu n'est pas très compliqué, donc si je m'aimais bien, normalement, si je fais que ça jusqu'à la fin du live, il y a moyen que je le finisse. Sauf qu'on va pas faire que ça jusqu'à la fin du live. Non, surtout pas. Ça, c'est risquer tout son pognon pour en gagner un petit peu. Bon. J'ai déjà énormément de pognon pour mon niveau. Ah, c'est très drôle, il suffit de... Hop, voilà, le renvoi qui est totalement différent si on essaie d'avancer ou pas. Coucou, des sous. Bien sûr, on tape plus fort. Enfin, ça fait plus mal si on contourne le... Ouah. Et sinon, le cavalier sans tête, là, tu fais rien.
Alors là, soit je continue d'avancer et je prends des gros risques. Allez, on va dire que je prends des gros risques. Wouah! J'ai pris des gros risques, mais c'est passé. Wouah! Ah! Dommage. Dommage, mais enfin là, voilà. Là, c'est plutôt pas mal. Battu le premier boss, ce qui est quand même très bonne nouvelle. Donc, on va prendre un Barbarian Queen. Donc là, on va voir si on peut pas s'équiper avec les meilleurs matos. Y'a pas de matos, y'a pas de matos. Lightning, ça augmente la magic, c'est-à-dire les dégâts magiques. On va le prendre. Coûte pas grand-chose. Alors la cape avec plus de vampirisme, non, je joue pas au vampirisme. Alors là, du coup, il faut bourrer, venez. Alors ça, ça caron, ça diminue le coût d'entrée de Caron. On va le mettre parce qu'en fait je voudrais l'Okage. Voilà, l'Okage, voilà, donc la version upgrade du Shinobi, le truc bien cheaté. La liche, ça restaure de la mana quand on tape de base, mais c'est pas génial. On va augmenter ça et on va augmenter la vie, voilà. Donc là je tape bien bobo, 36. C'est pas mal, c'est pas mal. 36 sur un Barbarian King avec 240 PV alors qu'on est qu'au niveau 18, c'est bien bourrin. C'est bien bourrin, sachant qu'on a upgrade pour avoir le Shinobi. C'est bien cool. Donc là, direction la forêt tout de suite. Donc la partie de droite. Voilà. Hop. Wouhou. D'accord. Vous voyez, trois coups pour finir ce boss, enfin ce mini, ce œil de niveau 3, sachant que c'est même pas un boss, parce que en fait, une fois qu'on a fini le jeu une fois, les boss, enfin les mobs de base, tous ceux qu'on voit là, passent en niveau 2. Donc leur version améliorée une fois. C'est-à-dire par exemple pour les lanceurs de boules de feu, c'est ceux qu'on a vu dans la forêt. Leur version niveau 2. Après, quand on finit le jeu une troisième fois, il passe en niveau 3. Et donc c'est les dernières versions. Par exemple pour les non-œil, c'est la version qui tire sur dans trois directions différentes. Bon, par contre là je vais pas du tout dans la bonne direction. En plus je peux pas voir ma carte parce que mon perso est trop con. Après donc les versions niveau 3 ça devient compliqué quand même. Ça devient un peu compliqué parce que ça veut dire qu'il y a que des versions niveau 3 partout. Et c'est genre bien bourrin. Youpi. Alors c'est pas par là. Sachant que là je suis plutôt en train de me diriger vers la dernière partie qui est la prison. C'est la dernière partie du château normalement. Le boss est pas très compliqué celui de la prison. Il y a moyen de le faire assez rapidement. Mais c'est pas encore dans mes cordes là pour l'instant. Voilà, vous voyez le jeu assez facilement, mais il faut savoir que j'ai déjà fini le jeu 4 fois. Donc je suis dans 3 fois. Plus après d'autres parties où j'ai recommencé complètement. Donc j'ai un peu de temps dans les pattes en fait, on va dire. De temps de jeu dans les pattes, j'en ai un petit peu. Donc pour ceux qui découvrent le jeu en regardant le replay ou en regardant le stream. C'est un peu normal mon niveau de skill. C'est pas si facile que ça quand même. Bon, mon niveau de skill, je dis ça et je me prends des trucs trop simples à éviter. Enfin. Bon allez, on y arrive à cette forêt là, oui, ou zut.
Ok, là ça commence à devenir vraiment... vraiment embêtant. Prendre des tirs de partout, voilà, si je peux récupérer un peu de bouffe, ça serait cool. Voilà. Voilà. Non, mais non, mais ça c'était pas envisageable par exemple. Ah non, j'aime pas cette zone là. On va essayer de passer par ailleurs alors. Hein. Mettre décalé. Ah bah du coup en plus ça veut dire que je suis forcé de passer par la droite. Bon bah allons-y alors. Hein. Allons-y. Coucou, allez on y va. Je genre déteste mais massivement cette zone. Toujours aussi bête les... Alors les cavaliers sans tête ils sont pas censés faire ça mais je sais pas, ceux que j'ai croisés jusque là ils sont bêtes. Alors ça c'est bien sympa mais il faut que je le pose ailleurs, voilà là. Ah c'est pas du matos pour moi, il y avait des monstres bien solides en bas, assez casse-pieds à prendre d'en haut. J'aime bien l'emprunt. Alors là, c'est... Oh merde. Ouf. Incroyable, je suis passé. Non, mais je saute très mal. Raté. Je me suis planté. Dommage. Oup. J'ai pas fait gaffe. Donc voilà, le mini-boss. C'est genre compliqué en gros. Eh oh, laissez-moi passer. Voilà, il y a un techno de mage qui est aussi affreux. Oh, c'était quoi ce run de la mort? C'était n'importe quoi. Bon, alors là, il y a un Knave. Oula, j'ai un Knave un peu spécial, là, quand même. J'ai vraiment un Knave un peu spécial. Voilà, hop. J'ai un Knave qu'on envoie très facilement bouler, et en plus de ça, qui va vite. Ça va être joliment contrôlable, tiens. Oui. Ah, je suis du 101 coup critique, ce qui est bien badass. Je one shot à peu près tous les mobs. Par contre, je me fais mes balader. Voilà. La grosse difficulté du machin qui nous envoie balader, c'est que ça nous envoie vraiment balader. Wow. Alors, on va pouvoir changer, on va peut-être pas mettre l'emprunt, on va mettre autre chose. Non, je vais passer là. Prix de bite. Ah, c'est celle-là. Ah oui, tiens, allez, ça, on mettait ça. Donc, ça a absolument rien à voir. Alors là, la fontaine, c'est bien. Ça restaure de la vie, tout ça. Coucou. Ouah. Alors par contre ça m'embête. Voilà. Vais-je y survivre? Non, je ne vais pas y survivre. Mais difficile de sortir. Voilà.
passer dans le monde infernal. Compliqué. Knave, Barbarer King, Barbarer Queen. Bon. Est-ce que j'ai pas du meilleur matos à acheter? Hearthstone mana plus 5. Ah si, c'est bien ça. Y'a pas d'autres trucs à acheter? Non, je peux rien acheter d'autre. No. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Allez, on est reparti. Oula. J'aime pas cette configuration. Voilà, juste pour ça, j'aime pas cette configuration. Parce qu'il faut être vraiment, vraiment rapide. Là, j'aimerais retrouver la salle du boss de la deuxième partie. Voilà, j'aime pas ça non plus. Voilà, j'y vais en mode bourrin. C'est pas du tout conseillé, mais c'est pas grave. Oh, mais arrêtez de me... Je me fais mais pulvériser, mais genre bien violent. Je sais pas ce que j'ai ce soir. Je suis pas bon. Je suis juste pas bon. Oh là là. Allez. On continue. Il y avait un coffre en bas, mais c'est pas très grave. Ah oui, non, mais il fallait pas que je fight. Bon, mais c'est pas grave. Parce que je pouvais pas passer. C'est pas du tout par là où je dois aller normalement. C'est pas grave. Pff. Ok, ça c'était le run de la mort. Ça c'était le run du blasé total. Impossible de faire quoi que ce soit, quoi. Pas concentré, rien du tout. Voilà. Je vais à peine pouvoir mettre un point avec l'or récolté, quoi. C'était n'importe quoi. Ah, c'est déjà du plus haut level. Défoncé. Défoncé. Re-quick. Alors, donc là, un Okage. Un Okage, c'est bien. Là, ça va être mieux. Nickel, 22h22. Ouah, déjà, ouah, je fais le combien là? 87. Ça c'est du Okage abusé. Ça, c'est de l'Okage abusé comme je l'aime. 87. On va pas tarder à switcher. Je vais essayer de faire le deuxième boss. Et ensuite, on switchera sur du Hammerwatch. Bon, par contre, ça commence très très mal si je vous prends deux fois des dégâts. Trois fois même. Non mais... Il va falloir arrêter les gars. Je suis déjà mort. Je suis déjà exsangue. J'ai à peine commencé. Boum. Je suis exsangue. J'ai à peine commencé le run. N'importe quoi. Je... Voilà. Multi dans... Oula. Ouf. Attention, multi dans un quart d'heure environ. Dans un quart d'heure, on switch. En fait, j'aimerais bien les faire, eux. Ah, mais non, ça va être trop chaud. Je vais voir. Ah. Si j'arrive à en toucher un, trop fort. Il faut vraiment que je sois bien plus fort pour ça. Oh, mais c'est quoi ces salles? C'est quoi ces salles?
Bien évidemment, c'est pas non plus les salles que je veux. Viens là. Bon, bah c'est pas grave, on va essayer de faire le haut. YOLO. Oh oh, salle du boss. Sauf que celui-là, sans Fusroda, c'est-à-dire sans le Barbarer King, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur, quoi. Du coup, non. Dans un quart d'heure, Hammerwatch, c'est ça. Enfin, un petit quart d'heure du Hammerwatch. Voilà, je trouve des trucs sympathiques qui pourront bien m'aider. Waouh. Juste toi.